Le palais princier, les yachts grand luxe, le Grand Prix de F1 ou le casino de Monte-Carlo, voici quelques-uns des emblèmes de Monaco. Mais le Rocher est bien loin de se limiter à ses décors de cartes postales. L'art y est fortement représenté, les fins gastronomes y trouvent toujours leur bonheur. Quant aux amoureux et autres collectionneurs de garde-temps, c'est ici qu'atterrissent pour leur plus grand plaisir certains des modèles les plus recherchés de la planète. Nous vous expliquerons pourquoi dans un instant. Mais pour l'heure, direction l'hôtel Fairmont Monte-Carlo. C'est ici, au pied de l'un des hôtels les plus emblématiques de la principauté, que Gianluca Gaudio a choisi d'exposer ses œuvres d'art. Au sein de cette galerie Bel Air Fine Art, des photographes, des sculpteurs ou encore une large sélection d'artistes peintres contemporains au rayonnement international ou émergent, issus de différents mouvements artistiques. Des tableaux abstraits de Cédric Bouteiller à l'art optique du Britannique Patrick Hughes. En passant par les peintures figuratives de Marco Grassi. Les peintures acryliques et papier du chinois Hong Yun Zhuang et bien d'autres chefs-d'œuvre encore. Aujourd'hui, Bel Air Fine Art, c'est un groupe international très reconnu. Nous avons 18 galeries dans le monde. Et les artistes que vous trouvez dans l'esprit de nos groupes sont des artistes italiennes, françaises, européennes, américaines. La ligne, c'est un peu pop, street, mais c'est vraiment l'expression de l'art d'aujourd'hui. On peut dire que quand on parle de l'art contemporain, on doit parler de l'art qui est capable de communiquer quelque chose qui vit notre temps. L'art cinétique de Patrick Rubinstein en est un parfait exemple, de même que les œuvres de Aero ou Chloé B. Si Jeff Koons n'a plus besoin d'être présenté, Eddy Magnez commence à se faire progressivement une jolie place dans le monde de l'art avec ses créations habillées de picots de silicone. Quant à Antoine Dufilho, il nous offre une nouvelle vision de l'automobile. Incroyablement réaliste, presque humaine, ces sculptures de Carole Feuermann nous ont totalement bluffés. Aujourd'hui, c'est la plus importante artiste américaine. Elle est en train d'exposer ses pièces au Musée national de Rome. Et on peut dire que c'est la consécration. Le français Pépone, lui, a plutôt choisi de nous faire retomber en enfance avec son emblématique Tintin. Il est connu pour les Tintin et aussi pour Hulk, Spider-Man, il fait tous ses personnages. Mais les Tintin, c'est la pièce avec laquelle il s'est fait connaître sur le marché. C'est de la résine découverte avec du papier morflé. Et à chaque Tintin, nous raconte une histoire. Ici, nous avons une double interprétation possible. Pour ses œuvres, griffées Joël Moens de Haas. Tout dépend de la distance à laquelle vous vous trouvez. Et en vous rapprochant, il est fort possible que vous rougissiez. Lui, c'est le roi du photomosaïque. Il n'utilise que des mini-bikinis pour montrer un sujet qui, après, c'est totalement différent. Et il y a toujours une photo sans bikini, mais on ne l'a pas encore trouvée. Effectivement, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Plus facile à trouver en revanche, la nouvelle place du casino. Fraîchement rénovée, elle a ainsi totalement changé de look. Exit le fameux camembert, comme l'avaient affectueusement surnommé les locaux. Le dôme de gazon, qui occupait une bonne partie de l'espace, a laissé place à une élégante esplanade de dalles beige. Piétonne et habillée de palmiers, cette nouvelle place marque une étape supplémentaire dans le projet de rénovation architecturale des bâtiments et espaces de la Société des Bains de Mer, comme l'Hôtel de Paris ou le complexe du One Monte Carlo, a précisé le Palais Princier. Autre lieu emblématique de la principauté, le Yacht Club. Fondé en 1953 par le prince Rainier et présidé depuis 1984 par le prince souverain Albert II, le Yacht Club de Monaco réunit 2500 membres, répartis en 73 nationalités. Ce bâtiment high-tech, ancré sur le quai Louis II, abrite les deux clubs nautiques historiques de la principauté, la société nautique dédiée à l'aviron et le Yacht Club, point de rencontre des armateurs et de toutes les activités du yachting international.
c'est au pied de cette structure aux allures de navire que se trouve le Wine Palace, lieu de rencontre privilégié de tous les amateurs de vin, champagne et spiritueux, avec ses quelques 1200 références, majoritairement françaises et italiennes. C'est ici que Philippe Méliard a souhaité nous rencontrer dans l'idée de nous faire déguster son champagne. Amateur de fines bulles et de grands vins, c'est en 2018 qu'il se lance dans le rachat de la marque Comte de Monte Carlo, créée par le baron Christian de Massy au début des années 2000. Aujourd'hui, la marque est en plein essor, s'offrant même le luxe d'un partenariat avec l'un des événements les plus prestigieux de la planète, le Monaco Yacht Show, durant lequel 4 déclinaisons de champagne ont pu être dégustées. Les 4 champagnes que nous avons sont le Riviera, qui est un champagne brut. Nous avons le Sainte-Dévote, qui est un blanc de blanc. Nous avons le Carré d'Or, qui est un champagne basse pression, c'est-à-dire que la prise de mousse est effectuée en dessous de 3 bars, ce qui donne une bulle extrêmement délicate. Et en quatrième lieu, nous avons un champagne millésimé qui s'appelle Noblesse Oblige. Une dernière cuvée qui résulte d'un subtil assemblage de Pinot Noir et Chardonnay de l'année 2010. Un champagne complexe et gourmand, aux notes de truffe et d'huile de noix en bouche. Et puisque Monte Carlo reste pour le monde entier la quintessence du luxe, de l'élégance et du glamour, pourquoi diable se limiter à une marque de champagne? L'étiquette Baron de Monte Carlo habille donc les vins blancs et rouges de Philippe Méliard. Et ce n'est pas tout. En 2018, lorsque nous avons fait l'acquisition du portefeuille de marque possédé M. Christian de Massy, qui est le fils de la princesse Antoinette et cousin de notre vénéré souverain, nous avons eu l'occasion effectivement d'acheter 34 marques, dont 33 utilisent le nom Monaco et Monte Carlo. Nous avons par exemple Monte Carlo Creative Engineering. S'il y a des personnes qui considèrent que la marque peut être intéressante pour faire de la haute technologie. Nous avons pris une marque qui s'appelle Monte Carlo Gourmet, avec laquelle nous avons décidé de créer des produits prestigieux. Nous avons commencé par un certain nombre de liqueurs, qui sont des liqueurs qui reproduisent des desserts. Et nous avons la possibilité donc de faire participer un certain nombre d'investisseurs pour lancer les produits. S'il y a des gens qui sont intéressés par certaines de nos marques, et des partenariats, nous sommes tout à fait ouverts. L'appel est lancé, avis aux amateurs. Autre secteur où il fait bon investir ces derniers temps, l'horlogerie. Située à 2 pas de l'hôtel Hermitage, la boutique Good Time Monaco nous invite à en savoir un peu plus sur un marché en plein boom, celui des montres de luxe de seconde main. Daytona, Pepsi, Royal Oak, Nautilus, autant de modèles quasi introuvables qui prouvent qu'il existe une réelle pénurie sur le marché des montres iconiques, avec pour conséquence directe une flambée des prix. Un modèle d'occasion pouvant se revendre 2 fois plus cher qu'un modèle boutique. Le prix à payer pour éviter de figurer sur une longue liste d'attente. C'est un marché qui est en plein essor, qui est très dynamique, très intéressant aussi car c'est très difficile d'obtenir une montre chez un retailer de luxe, alors qu'ici on peut les avoir instantanément. Pour remplir les vitrines, tout commence par une opération séduction auprès des vendeurs. Créée en 2021, la société n'a pas d'autre choix pour l'instant que de jouer la carte de la générosité. On est super jeune, donc pour nous démarquer un petit peu et pour pouvoir aussi avoir notre clientèle, on est capable de payer un peu plus que les autres. Je ne dis pas qu'on va surpayer votre montre, mais on va la payer un petit peu plus que les autres pour pouvoir vous satisfaire. Au même titre que si vous venez acheter votre montre chez nous, on est capable aussi de la vendre un petit peu en dessous du marché pour pouvoir vous fidéliser. Donc du coup, le client est gagnant, qu'il soit vendeur ou acheteur, et nous sommes gagnants aussi. Et si les clients locaux peuvent se déplacer directement en boutique, au palais de la Scala, les transactions à distance, achat ou vente, restent tout à fait envisageables et entièrement sécurisées. Si vous achetez une montre à distance, c'est tout à fait safe. Toutes nos montres sont envoyées par transporteur, assurées,
On peut envoyer dans le monde entier, il n'y a pas de problème. Avec en prime pour chaque garde-temps, une garantie officielle de la marque. Retrouvez la liste complète des montres encore disponibles sur les comptes Instagram et Facebook de Good Time Monaco. Après cette journée bien chargée, l'heure est venue de partir dîner dans l'un des restaurants les plus réputés de la principauté. Retour à notre hôtel, le Fairmont Monte Carlo, pour un instant gourmand à la table de Nobu. Nobuyuki Matsuhisa, de son vrai nom, est un grand chef tout particulièrement apprécié pour sa cuisine japonaise aux accents péruviens. Petit tour du propriétaire en compagnie du chef Jérôme Lorvelec, qui, à l'instar de Nobu qu'il côtoie depuis près de 18 ans, aime travailler tous ses plats avec le cœur, le kokoro. Si l'on retrouve à la carte les traditionnels yakimono, yakitori ou tempura, le Black Code, plat signature de Nobu, reste le best-seller, le plat incontournable. C'est du cabillaud que nous faisons mariner 72 heures dans une préparation à base de miso et qu'après nous caramélisons sous la salamandre. Et c'est le plat qu'on vend le plus dans le monde. Donc c'est un cabillaud qui vient d'Alaska, spécifique pour cette recette. Quand on le goûte, ça fait sucré-salé, c'est très sucré. La douceur du poisson qui vient derrière et les feuilles du poisson qui s'effilochent facilement pour pouvoir le manger à la baguette, justement, c'est agréable. C'est fondant, c'est un bonbon, moi j'appelle ça un bonbon. Bien entendu, dans un tel décor au style japonisant, agrémenté d'une vue incroyable sur la Grande Bleue, le travail des sushis reste une évidence. Aux manettes, cet homme, Wagner Spadaccio, vice-champion du monde 2018. Thé vert, gingembre, wasabi, autant de produits que l'on retrouve également derrière le bar. Andrea s'étant inspiré du lieu pour offrir de nouvelles expériences gustatives au succès incontestable. C'est donc sur cette petite note gourmande que nous quitterons Monaco, en attendant d'y revenir bientôt pour de nouvelles découvertes.